Sentiment de rage pour les supporters de Lula. Le Parti des travailleurs a mobilisé ses troupes. En fin de journée, ils se sont donné rendez-vous à la gare centrale de Rio pour faire entendre leur mécontentement. Il a le soutien du peuple, il a le soutien de tous les travailleurs. Il n'est tout simplement pas soutenu par les médias corrompus du Brésil. Certains dénoncent un coup d'État et ont toujours confiance en celui qui a fait prospérer le Brésil dans les années 2000. Il va revenir et une fois de plus, il va changer le Brésil. Quelques heures plus tôt, dans le centre de Rio, la nouvelle a bouleversé certains Brésiliens pour qui Lula est toujours un mythe. Je suis émue de parler, car j'ai peur que ce soit le début d'un coup d'État, et j'en ai déjà vécu un. J'ai 63 ans, et je m'en souviens très bien. Moi, j'ai connu le Brésil d'avant Lula et le Brésil d'après Lula. Le pauvre n'avait pas de voiture, le pauvre ne prenait pas l'avion, le pauvre n'avait pas accès à l'université. Pour moi, l'image de Lula est liée à ses avancées sociales. Et ce serait une très grande déception s'il était lié à ce scandale. Chez les jeunes, on garde espoir, mais il faut que le Brésil se relève, et vite. J'ai de l'espoir que le Brésil passe à une autre étape, quelque chose de meilleur. Même si beaucoup de Brésiliens sont attachés à Lula, la population en a assez des scandales de corruption. Cette nouvelle phase de l'enquête marque peut-être un tournant dans l'histoire du pays.